tu es sale si tu prends ta douche le matin plutôt que le soir. Et oui, aujourd'hui je te présente les conseils d'hygiène qui m'ont fait passer d'un petit gros adolescent boutonneux à un chat beatboxer. On va commencer par l'hygiène du visage. Tu dois prendre ta douche le soir ou à la limite te laver le visage. Ça va te permettre d'enlever toute la pollution, la poussière et le pollen qu'il y a sur toi. Pas que ça macère toute la nuit et ça te provoque des boutons. Après ta douche, je te dis pas d'utiliser 800 000 produits de beauté. Tu prends une crème hydratante, tu te la fous sur le visage et basta. C'est le minimum que t'as à faire en tant que mec. Une fois que t'as mis ta crème, je veux plus que tu touches ton visage de la journée avec tes gros doigts tout sales. Sinon, tu vas avoir des boutons. Ensuite, je veux que tu me jettes ta vieille brosse à dents manuelle et que t'investisses dans une brosse à dents électrique. T'auras des dents mieux lavées, plus blanches et puis tu voudras plus jamais reprendre une normale. Ensuite, tu dois acheter un gratte-langue. Peu importe la marque. En acier ou en plastique, tu fais ce que tu veux. Bah, tu vas être choqué de tout ce qui va sortir de ta langue. Puis, personne n'a envie de sentir ton haleine de chacal, donc tu vas bien frotter. Ensuite, tu vas changer tes draps au minimum une fois toutes les deux semaines, et le mieux, c'est une fois par semaine. Parce que la saleté, la transpiration s'y accumule. Quand ton visage reste en contact 8 heures avec un oreiller sale, je te laisse imaginer le nombre de boutons qui sont apparus à cause de ça. Maintenant, on passe à l'hygiène du corps. Je veux toujours que t'aies des ongles coupés courts et propres. Je t'assure que t'as beau être un 10, si t'as des ongles comme ça, personne ne voudra toi. Tiens, nettoie le miel que t'as dans les oreilles avec un peu d'eau ou un coton-tige. Fais ça doucement, on va pas te perforer le tympan. En ce qui concerne ton odeur, c'est une des premières choses que les personnes remarquent. Alors, je t'en supplie, mets au minimum du déodorant. Et si tu veux un peu upgrader, achète-toi un parfum. Et non pas Dior Sauvage, à moins que t'aies envie de sentir comme son ex. Si malgré tout ça tu pues encore, il faudra peut-être songer à se raser alors. Parce que les poils, ça va augmenter la chaleur sous tes aisselles et accumuler beaucoup plus de bactéries. Si t'as envie, tu peux même te raser le torse, tu seras encore plus esthétique. Abonne-toi parce que dans le prochain épisode, je t'explique comment avoir un visage plus symétrique.